Le projet Bâtissez 2, c'est une association de plusieurs organismes qui mettent ensemble leurs compétences pour proposer des actions afin d'intégrer tous ces écomatériaux dans les bâtiments, qu'ils soient privés ou publics, et ce, sur toute la zone transfrontalière. La finalité du projet, c'est de faire avancer le secteur de la construction sur le domaine de l'éco-construction et les matériaux biosourcés. Pendant le projet Bâtissez 2, on a réalisé et publié des cahiers techniques à l'attention de tout qui souhaite faire usage de matériaux biosourcés. Donc on y parle du bois, de la paille, du chanvre et de l'argile. On a également mis en place des groupes de travail avec les professionnels des différentes filières, donc le bois, l'argile, le chanvre, la paille, pour qu'ils puissent échanger entre eux sur les avancées du secteur de la construction et de leur propre filière. On a également organisé des stands collectifs, notamment sur les salons Bois et Habitat, mais également d'autres salons tels que Norbat. On a invité les entreprises à venir exposer leurs produits et services sur des espaces donc collaboratifs. On a également organisé des journées de visite qui ont emmené nos professionnels belges et français sur le territoire à venir visiter des chantiers, des projets aboutis et également des entreprises qui traitent des matériaux biosourcés. On a aussi fait usage d'une caravane qui est itinérante et qui se rendait dans différents lieux pour promouvoir les activités du projet Bâtissez 2. Nous organisons notamment des événements qui permettent aux mandataires publics de mieux appréhender les matériaux qui existent sur leur territoire et de mieux les intégrer aussi dans leurs bâtiments publics. Nous avons effectivement organisé des rendez-vous entre professionnels et mandataires de type B2B afin de faire connaître les matériaux biosourcés et pour que les marchés publics, les collectivités en tout cas, puissent les utiliser. L'évolution de l'éco-construction est forcément dans les 5 ans du projet très positive. On a vraiment une évolution, on a des nouveaux matériaux, on a également des nouvelles entreprises de plus en plus performantes, avec des produits qui sont performants. Et puis nous avons quand même vécu ici la création d'une nouvelle unité de production qui produit des matériaux en circuit court et biosourcés. Nous avons donc là vraiment une évolution, mais malheureusement, il reste encore des choses à faire. Nous devons encore continuer à faire en sorte que les écomatériaux soient les matériaux du futur et soient les matériaux performants. We hebben in het Interreg-project gezien dat we in Vlaanderen heel veel kennis hebben, maar dat er ook enorm veel kennis is in het buitenland. Die kennis hebben we dankzij onze partnerschappen kunnen naar Vlaanderen halen. We hebben het kunnen laten vertalen. Het is nu aan ons in Vlaanderen en hetzelfde voor de andere regio's om deze kennis te structureren, om het netwerk te structureren en die kennis verder uit te bouwen. De partnerschappen die we zijn aangegaan, die moeten onderhouden worden en moeten versterkt worden. Concernant les filières locales, le projet Bâtissez 2 a travaillé à créer, à combler les chaînons manquants dans la filière et notamment au niveau transfrontalier, parce qu'on n'a pas tout sur nos territoires, mais au niveau transfrontalier, on arrive à les combler. Donc des liens ont été créés par le projet, mais ces liens restent à conforter pour entrer dans une phase de massification, on va dire, de l'utilisation des matériaux biosourcés pour qu'ils soient utilisés de manière plus ample sur notre territoire. Et du coup, ce projet mériterait d'être continué. Alors, un des meilleurs souvenirs que j'ai du projet Bâtissez 2, c'est toutes les rencontres que j'ai pu effectuer durant les différentes actions. Donc, les rencontres avec les professionnels du secteur de la construction, qui sont des gens intéressants et intéressés par les matériaux biosourcés. Lors de la journée technique biosourcée à Reims, on a eu droit à des démonstrations de mise en œuvre de béton de chanvre et de paille, de murs en paille enduits de terre crue. Et du coup, ça faisait plaisir de voir des professionnels, des étudiants, etc. mettre en œuvre ces matériaux avec plaisir et très intéressés par ces matériaux à mettre en œuvre. Wat mij enorm heeft aangesproken in het project is de partnerschap die we hebben kunnen aangaan en de kennis die we daardoor hebben kunnen naar Vlaanderen halen. Innovation, bien sûr. Partenariat. Matériaux biosourcés.
kennis delen dankzij internationale partnerschappen. Transfrontalier. Les réactions des professionnels qui bénéficient de nos actions sont très positives. On a vraiment des remerciements et des mots d'encouragement pour maintenir et continuer ce type d'action parce que ça leur permet à eux de se développer et d'améliorer leur offre de services. Pour trouver plus d'informations sur les actions du projet, nous avons un site internet, c'est www.batic2.eu.